Oui, bien bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, bon matin là, envie réaffirmer que oui, nous sommes en colonie. Et là où nous sommes en colonie, nous parmi vocation à épanouir. Une vocation à servir colon là. Et situation actuelle va démontrer nous ça tous les jours. D'avoir que ce yé qui a dans en colonie, qui a voué que yon majorité à population là, plus de 70%, qui a continué de dire, malgré tout ça, ou a fait, qui a refusé de prendre piqui, et qui a pas attendre, qui a continué ignorer. Ce yé qui a dans en colonie, qui a voué, qui a tant d'établissements de soins hospitaliers ou non, qui en grève depuis plus de 2, 3, 4 mois. Nous dit l'ensemble de l'hôpital en Guadeloupe. Nous dit les cliniques privées. Nous dit des EHPAD. Nous dit l'ODRA. Nous dit l'établissement français du sang. Tous ces établissements-là sont en grève. Avec des camarades qui sont suspendus. Suspendus parce qu'un jour, ils ont dit qu'ils ont refusé de prendre un piqui. Des camarades qui ont très grande souffrance. Et nous avons vrai, nous avons senti, nous voyons bon matin, et nous avons vrai tous les jours, nous avons parlé avec les travailleurs. Nous avons des établissements au niveau de l'action sociale, les associations, qui ont occupé des petits gens en difficulté, la petite enfance. Aussi là, les familles bien embarrassées, parce que sont rupture totale de suivi à ces petits gens-là. Ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire avec eux. Et quand ils jouent à parler, de tchouye timouna yo et de tchouye yo après tellement qu'ils ont souffrance. Mais justement, ils ont fermé parce qu'ils ont décidé de suspendre les travailleurs qui ont dans ces établissements-là. Nous tenons camarades là au niveau CIST, 5 mois les camarades en grève. 5 mois. Le contrôle médical, les psychologues. Et restons qu'à vite parce que tous les jours, là, qu'on est là, depuis le 1er janvier, camarades, qu'à continuer à recevoir courrier de suspension à yo. Donc, nombre qui sont importants, eh bien, les professions libérales, les docteurs spécialisés dans tout domaine, ils ont augmenté encore. À pas 5 000 que nous avons dit, mais 6 000, 7 000 travailleurs qui ont l'arri là. Mais c'est rien qui a donc colonie qui n'a pas vrai qu'il n'y a pas complètement ignoré ça et il n'y a pas fait comme si tout va bien. C'est rien qui a donc colonie qui n'a pas vrai que vous ne pouvez pas soigner. Parce que si vous avez enquêté dans les établissements, la réalité c'est qu'il n'y a pas reporté les interventions. Il n'y a pas reporté toutes les interventions. Les royaumes d'urgence, à pas 6 heures, on va passer non pas. Mais c'est 15 heures, on va passer toute journée, tout le temps, on va passer là parce qu'il n'y a pas de monde pour recevoir malade et pour soigner malade. C'est ce qui a dans la colonie, ou pas vrai, effectivement, que dans tous les établissements qu'on est là, commencer ni cluster. Mais qui est-ce qui travaille qu'on est là? C'est des gens qui vaccinent. C'est des gens qui vaccinent. Alors, plus de stress que les gens n'y parce qu'ils n'ont pas en capacité de combler toutes les absences qu'ils n'y. En plus de stress qu'il y a, il va retomber malade encore. Et en plus de ça, il va demander les gens qui sont malades de vivre travail quand même. Ou contaminer, mais ce n'est pas grave, vivre travail. Mais c'est une absurdité totale. Et nous faisons comme si tout va bien dans le pays là, ça. C'est qui a dans la colonie, on va voir que nous avons dit comme ça, que ce n'est pas admissible. Qu'on parle des contrôles rigoureux aux frontières, au port, à l'aéroport, et qu'on pas laissé les gens qui viennent en vacances, qui montent et descendent comme ça, au risque de contaminer une population qui est déjà fragile. Pour nous, pas à faire rien. Et on pas tant de gens là, qui ont ni cluster, à dans cet hôtel-là. Nous avons ni un club mec, même si encore une fois, mon deux minutes là, qui a essayé de faire considérer et qui a minimisé le problème là, et qui a dit non, c'est 9 personnes. Mais même si c'était 9 personnes, 9 personnes n'ont pas rien. 9 mois n'a pas rien. Mais il n'y a pas rien qui a dans l'hôtel là, ça. C'est dans toutes les hôtels. Parce que nous avons déjà dit ça. Nous voyons l'aide pour préférer la poutine comme ça. Ça, on ne peut pas faire là pas bon. On ne peut pas laisser les gens venir contaminer nous. On sait en France qui a la contamination qui n'y. Et on ne peut pas laisser ces gens-là venir comme ça. Ils sont en vacances, ils sont pas tombés et ils ne peuvent pas contaminer nous.
Nous qui gagnons un taux de comorbidité très élevé, en population qui fragile, des établissements de soins qui n'ont pas en capacité de soigner le monde. Ça veut dire qu'on va continuer à chouiller nous. Mais c'est ça en colonie. Parce qu'il n'y a pas besoin de nous en disant que ces pays-là sont bizarres. Alors on va continuer à chouiller nous. Et c'est rien qui a dans la colonie, on va avoir effectivement des élus à plat ventre au service du colon. Et on va tant mieux qu'à venir souhaiter la bonne année, qu'à tout comme ça. Mais on peut faire en sorte de parler avec les gens qui sont dans le collectif là, parce que nous sommes Guadeloupéens. C'est quoi là, ils n'ont pas voir, nous sommes Guadeloupéens. Et ils n'ont pas laissé les gens en souffrance comme ça. Ils n'ont pas laissé tout ça en souffrance, comme si de rien n'était. Des mamans, enfants qui ne peuvent pas même battre les gens à manger. C'est solidarité qu'elle nous a fait. Et cette réponse qu'elles ont apportée, eh bien, c'est foutre le monde la primogène dans mon point. Nous qui avons passé, ni petit monde, ni grand monde, ni travailler, ni toute qualité monde dans la mobilisation là, nous avons marché. Oui, il y avait détermination, nous déterminons dans le combat en nous. Donc nous avons marché, nous avons marché. Et qui chose n'a pas réservé nous, gaz la primogène, grenade à tir du centre, flashball, il y a tiré sur des camarades qui blessaient. Alors que nous t'étions marcher en la lila, pour qui m'était, pour préserver l'intérêt économique à Zop Milenis, c'est ça qui est important, c'est les dépôts de l'Ayot. Pour nous arrêter, à nos colonies, toutes celles qui ont pas fait ça. Et nous ne pouvons continuer à vivre comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Comme si tout va bien dans le pays alors que nous sommes morts. Qui moune qui compte ici ne pas connaître 3, 4, 5 mounes qui mourent après que vous prenez première dose, deuxième dose. Nous tous qui la connaissons des mounes. Et nous des mounes aussi que les élus connaissent, des proches à eux qui sont morts. Qui prennent ces doses-là, ça. Pour qui vite pour moi, je ne vais pas prendre troisième dose. Là où j'apprends premier, là, au deuxième, là, il y a un groupe qui lit. Où j'ai fait AVC, au cas, il prend une troisième là. C'est pour ça qu'il n'y a pas parlé d'un schéma vaccinal complet encore. Il n'y a pas toujours un docteur. Et c'est pour ça que je vais te parler, les députés, restriction des libertés. Nous, depuis le début, nous avons dit ça. Nous avons parlé de restriction des libertés. Et depuis le début, nous avons dit que la loi là, ça, qui a imposé des pompes qui n'a pas ni pour soigner les gens, ni pour protéger les gens. Parce que là, on va voir cette situation-là. La réalité qui a rattrapé nous, jeunes là, on va bien constater qu'il n'a pas ni pour protéger eux, d'accord, et ni pour soigner eux. Bien au contraire. Alors, nous avons dit, jeunes là, ça, on fait là, le 30 décembre, nous ne pas oublier, nous ne pouvons pas oublier. Ça, c'est le premier bité. Parce qu'il ne faut pas comprendre que parce qu'elles ont toujours fait répression, que nous n'avons pas trouvé ça normal. Et il n'y a pas parce qu'elles n'ont pas continué en détermination qu'elles n'ont pas dit comme ça, que ça sera fait là, ça normal. Parce qu'au bon Dieu, dans mon pays, ou pas marcher en la rue là, il n'y a pas une attaque, il n'y a pas une agression comme ça. Au long j'avais ça, il ne faut pas dire rien. Communiquer de sortie de soutien, sortie tout partout. Dans tous les pays du monde, pour Domota. Mais on ne peut pas donner pour mon là. Mais c'est nous, c'est normal. Et après, si vous avez été arrivé, c'est vous qui avez été venu, mais vous avez fait mal. Dans quel pays nous y est là? Dans quel pays nous y est là? Eh bien, moi, quand je dis nous fiers, nous fiers de nous qui nous goûtent. Nous fiers de nous qui avons osé. Parce que le peuple, j'ai dit, oui, pas d'accord. Peut-être qu'il n'a pas osé venir nous dans la rue là, mais il y a un total soutien avec eux. Et qu'il y a un moment donné, qu'il y a un déclic, nous connaître peuple en nous. Qu'il y a un moment donné, qu'il y a un déclic, et qu'il y a monde qui descend dans la rue là. Parce qu'il n'y a pas vrai ça qui va passer. Et nous savons qu'ils ont commencé par Domota pour bailler l'exemple. Mais restons à venir derrière. Alors nous pas avec si. Nous disons ça et nous pas répéter. Nous péquons arrêter. Mobilisation là qui est consignée. Et tout ça nous dit, nous qu'il fait, nous paye. Alors nous qui continuer. Au soir là, nous les meetings, nous vont vivre en nous, nous vont parler de la mutualité. C'est pour annoncer les prochaines mobilisations. Nous péquer arrêter. Alors nous demandons à tout le peuple là de continuer à venir dans ces meetings là. De mener voisins, voisines, familles à autres. Les gens qui toujours pas hésiter, qui pas savent. Parce qu'on ne parle pas de monde, on ne parle pas de magie, on ne parle pas de mensonge, on ne parle pas de manipulation. Qu'on est de luxe, les vieilles collées, tous ces gens-là, qui ne sont pas Guadeloupéens, qui ne sont pas mis à foutre de Guadeloupéens. C'est eux qui ont trouvé l'esprit à nous. Alors, on va dire tout le monde.
Vite écouter la vérité, vite en meeting, pour nous faire continuer la mobilisation en nous. Dès à présent, nous pas dit jeudi nous mobiliser, samedi nous mobiliser, et nous ne pouvons jamais arrêter. Parce qu'il est hors de question que nous cautionner, que nous accepter, que nous valer toute violence là qui a fait, si peuple nous l'a, si travailler en nous, si frère, c'est en nous, j'en là, parce que c'est famille en nous, à pas mon étranger, c'est famille en nous. Alors si nous des gens qui peuvent considérer que ça n'a pas fait à rien, parce qu'ils n'ont pas humain, ça c'est yo. Mais nous, ça a touché nous, en disant nous, ça a touché nous. Et rien que pour ça, nous pouvons continuer à bouger et nous pouvons rien arrêter. Et les portes qui ont hier, il t'a dit que c'est normal que nous ayons tué la famille en nous. Il t'a dit ça en grand. Que faut que nous payons comprendre que nous avons sacrifié, que nous avons mort. Je ne l'ai pas dit comme ça, pour le moment, il y a suffisamment de lits. Mais qui j'en peut considérer des gens comme ça? Qui j'en peut considérer des gens comme ça? Alors, camarades, nous au combat. Nous au combat avec force, 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 force et détermination. Et 2022, là, ça, qui continue à montrer qui nous nouille. Qui j'en nous dit, force nous, quoi, nous payons, dit dans nous. Et qui j'en nous peut continuer à boumer contre ces gens-là, ça. Contre tous les gens qui veulent profiter de la Guadeloupe et qui veulent faire en sorte que la Guadeloupe reste en colonie et qu'elle ne nous pas jamais libérer nous. Mais nous pouvons libérer nous de la profitation là ça. Nous pouvons libérer nous jusqu'à ce qu'un jour nous puissions servir paix pour nous. Pour nous, pour tout le monde en nous. Pour que nous puissions payer vraiment pour Guadeloupe. Merci. Oui.